J'avais dit ici aux gens de beaucoup, beaucoup se méfier de certaines choses. Surtout sur les réseaux sociaux, tu vois. Il ne faut pas se taper la poitrine parce que, bon, tu te crois en position de force et tu attaques des gens dans le vide. Ce n'est pas bien. Nyeloi a fait ce qu'il a fait. J'ai jamais parlé de ça à l'époque, quand il insultait, quand il attaquait. Mais je peux jamais être d'accord avec ce qu'il faisait. Parce que c'est très très grave, voyez-vous. On ne peut pas s'asseoir devant son téléphone et s'attaquer à des gens dans le vide. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, on l'a dit, on l'a redit, on l'a dit, on l'a redit, on l'a dit, on l'a redit. Et donc, le cas de Nyeloi, moi j'en parle parce que c'est une grande, grande leçon pour toutes les personnes qui font des vidéos, qui parlent ici sur les réseaux sociaux et qui ont pour attitude d'attaquer les gens dans le vide, d'insulter les gens, de dénigrer, de diffamer dans le vide. C'est une grande leçon. C'est une très très grande leçon. Nyeloi, on sait tous, a eu des problèmes avec plusieurs personnes. Mais il s'est attaqué à des sages. Et ça, c'était pas bien. Quel qu'en soit ce qui s'est passé, quel qu'en soit ce qui se passe entre toi et puis quelqu'un, insulte cette personne, mais n'arrive jamais sur ses parents. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens au fait. Vous savez, un temps, surtout un full bébé. Le travail des gens, c'était s'asseoir ici sur les réseaux sociaux et insulter d'autres personnes, père et mère. Vous voyez où ça peut conduire? Vous voyez où ça peut se terminer? Des choses comme ça? Je l'ai dit, je l'ai redit. Ça n'a pas de sens. Je regarde les réseaux sociaux, non, moi, filme-toi là. J'ai ton téléphone, moi, filme-toi là. Ça dit, y'en a 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 y'en a. C'est grave. C'est très, très grave. Et le cas de Nyeloi, c'est une illustration et ça doit être un conseil pour beaucoup de personnes. Parce que lui n'a pas compris. Voici les Nyeloi. Je leur ai dit, les Nyeloi qui ont été utilisés dans la plus mauvaise des manières, je l'avais dit ici la fois dernière. Ils ont été utilisés dans la plus mauvaise des manières par un clan, par le clan d'Alpha Condé. Parce que eux, c'était quoi leur objectif? C'était de diviser les Guinéens, donc ils étaient prêts à tout. Ils les ont recrutés. Comme ils ont l'esprit ethnique, ils ont l'esprit d'ethnocentrisme, ils les ont recrutés comme ils sont peuls, ils ont dit insultez ces Loudalens en peuls, attaquez-vous à ces Loudalens. C'est dans le seul but qu'ils ont été recrutés. Sinon, même eux, ils le disent ici, ils le reconnaissent. Ils sont pas dans la fonction publique, ils n'ont pas de matricule, ils n'avaient pas de poste. Donc le poste, c'était quoi? Ils étaient proches d'Alpha Condé dans un seul but, pour un seul objectif, c'était attaquer les gens. Maintenant, ce que les Nyeloi n'ont pas compris, n'avaient pas compris, c'est qu'aujourd'hui pouvait arriver. Aujourd'hui pouvait arriver où tout ce qu'ils ont fait, quand on les utilisait, pouvait se retourner contre eux. Et eux, ils pouvaient rester seuls dans leur coin. Seuls contre tous. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Et puis c'est dommage. Moi, ça me fait mal. Personnellement, wallahi billahi, ça me fait mal. Ça me fait mal du fait que des jeunes comme ça ont été utilisés par un clan sadique et satanique et aussi n'ont pas réfléchi. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils recherchaient. Ils se sont mis tout seuls dans la merde. Ils se sont mis tout seuls dans la merde. Et aujourd'hui, les voilà. Les voilà. C'est grave.
Tout ça à cause des réseaux sociaux. Vous voyez où les réseaux sociaux peuvent mener quelqu'un? Au fait, les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. Tu peux l'utiliser pour faire du bien, comme tu peux l'utiliser pour faire du mal et te faire du mal toi-même, sans le savoir. Moi, je profite de cette occasion. En tout cas, c'est pour passer le message à tous ceux qui parlent ici sur les réseaux sociaux. Méfions-nous de ce qu'on dit, de ce que nous disons, pardon. Méfions-nous beaucoup. Yo, il n'y a aucun sens dans s'asseoir ici et puis attaquer les gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, au fait. Vous voyez? Ça n'a aucun sens. Maintenant, Fatounier-lui. J'ai vu ça. La fois dernière, vous voyez la famille, j'étais sorti ici, je lui ai dit. J'ai dit, essaie de limiter les dégâts. Mets la balle à terre. Moi, je n'ai rien contre eux. Tu vois? J'ai dit, essayez de mettre la balle à terre. Parce que là où ça s'en va, tu vas te retrouver seul dans ton coin. Tu vas péter les plombs. Tu vas péter les plombs sans le savoir. Elle n'a pas compris. Et voilà, elle rentre dans n'importe quoi. Écoutons-la quand le verdict est tombé. Vu qu'elle n'a pas compris, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez. Vous avez vu, ils ont condamné mon frère 2 ans de prison et puis vous dites de ne pas pleurer, quoi. Il y a l'injustice. Alors vous allez m'enfermer, vous aussi. Moi, je savais. Tout le monde sait qui sont là-bas. Quels sont les gens qui ont condamné mon frère? Alors RPG, alors colonel Doumbouya, tu libères mon frère, tu le gracies. Sinon, c'est autre chose. J'irai en prison avec mon frère. Je vais aller en prison avec mon frère. Parce que je vais vous dénoncer, vous les traites. On sait, vous savez qui. Cherchez à savoir qui a condamné mon frère. C'est tout. Vous pouvez condamner mon frère 2 ans de prison. Ah, d'accord. Écoutez. Vous voyez la famille, au fait, tout ça a été évitable. Là, elle a pété les plombs, tu vois. Même elle rentre dans le système qui a conduit son frère en prison. Même elle peut partir en prison, elle ne sait pas. Ojoro,
C'est-à-dire, ça, ça s'appelle de l'injure publique ce qu'elle est en train de dire. Toi, je ne peux même pas passer tout ce qu'elle est en train de dire parce que ce n'est pas ça le sens. Et puis, elle rentre dans des débats inutiles. Au fait, elle essaie d'embarquer peut-être, elle parle de RPG, elle parle de Malinké, c'est-à-dire, tu vois, je l'avais dit de mettre la balle à terre parce que ça pouvait être lourd par après. Sérieusement, moi, je n'aime pas parler de ça. Mais c'est pour lancer un message, donner une leçon à tous les autres. Parce que le fait de sortir ici, elle aussi se filmer, insulter, c'est-à-dire flagrement comme ça, même elle ne sait pas que ça peut la conduire en prison. Parce que ça s'appelle l'injure publique. Et même elle dit, l'injure publique, c'est condamnable. Voilà, jusqu'à 14 mois de prison. Donc c'est grave. C'est grave, on l'avait dit la fois dernière, mets la balle à terre. Il faut mettre la balle à terre. Et je vois des imbéciles en parler, entrer ici. Tout ça là, injustice. Injustice. Tous ceux qui ont été emprisonnés pendant Alpha Condé, pendant que vous l'applaudissiez, ils ont fait quoi en fait? Ils ont fait quoi de mal? Quand on me bonne, hein? Ben, ce canon, quand on me bonne, Grenadin, quand on me bonne, hein? Ismaël Condé, quand on me bonne, et puis tous les anonymes, Roger Bamba, moi, donc, Kasso, quand on me bonne, qu'est-ce qu'il avait fait? Tous ceux qui étaient en prison, le vieux Sow, Ibrahim Sow, qui était décédé même en prison, qui a été torturé, qui est mort en prison, qu'est-ce qu'il avait fait? Et tous les autres, les anonymes qui étaient en prison, qui ont été torturés, qu'est-ce qu'ils avaient fait au temps d'Alpha Condé? Injustice, hein? Injustice. C'est dommage, mais tout ça là, c'était évitable, en fait. Là, n'acceptez jamais de vous faire utiliser. Que ce soit par Paul, que ce soit par Pierre. N'acceptez jamais de vous faire utiliser. Dans le vide, quel qu'en soit PDX, ils vous ont utilisé dans la merde. Ils vous ont poussé, vous êtes rentré dans la merde, maintenant vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Hein? Quand tu parles, écoutez cette partie. Écoutez. Attendez, je recherche parce que c'est très grave. Attendez. Au fait. Seigneur. Je t'en prie, chef. Une minute. Moi, aujourd'hui, il dit. Bon, je ne sais pas si c'est. C'est pas que les gens là. Moi, c'est purement ethnique. Comme les barafoulal, nani. Agne foulal contre. Joye foulal contre. Moi aussi, tu foulal contre, ya. Ce n'est pas une histoire de peul. Ça n'a jamais été une histoire de peul. De grâce, épargne les peuls. Épargne cette histoire de communauté. DK, qui est une peul, parmi la communauté peul, qui ne représente pas toute la communauté peul, est allé porter plainte contre Ousmane Nielui pour injure publique, pour menace. Il a été condamné là-bas. Qu'est-ce que les peuls ont à voir dedans? Est-ce que c'est les peuls qu'ils ont mobilisés pour aller porter plainte? Non! Non! Et puis, quand tu dis, par exemple, tu parles de Malinké. Au revoir, la justice internationale. Justice internationale. Allez, madame, justice internationale.
ma foi est un boulot pour tout parce que allié madame agne justice internationale y est pour le cas là. Il faut qu'on revoie la justice internationale. Comment est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui a répliqué aux injures, qui a été blessé, qui a été blessé, qui a été en prison aussi 2 ans? C'est mon frère qui a été blessé. C'est mon frère qui a été blessé. On blesse mon frère et puis on le condamne. Et puis vous, vous me dites, ne parle pas. Et quand Johnny Koumadimi, après la fin de ma connerie, il calme Kouma, il calme Kassi, vous savez, ça fait rire un peu quoi. En fait, Lokerni, tu vas te tuer dans le vide, en fait. Tu vois? Tu vas te tuer dans le vide. Parce que, hey, là où tu veux aller, là, c'est un terrain glissant. D'abord, tu accuses toute une communauté. Ça, c'est faux. La communauté peuple n'a rien à voir dans ce dossier. Hein? C'est Loudaleng n'a rien à voir dans ce dossier. Ce n'est pas l'UFDG, ce n'est pas au nom de l'UFDG que ce procès a eu lieu. C'est Deka qui est allé porter plainte. On a vu, on a suivi la procédure. Et il y a eu une condamnation quand Alpha Condé même était là. Qu'est-ce que la communauté Peul cherche dans ça là, hein? Et puis, en fait, tu parles à Malinké, tu essaies d'embarquer, c'est-à-dire la communauté Malinké, le Manding, dans ce procès, dans ce débat, et même quand ils te regardent, ça l'a fait rire. Quand je dis que Sibendari m'avait déjà laïe. Sibendari m'avait déjà laïe. Billahi wallahi tallahi. Parce qu'il y a un bas. Afamali au fait. Afamali. C'est pas parce que tu vas pas t'exprimer en Malinké ici. C'est-à-dire, c'est pas comme ça. Peut-être que tu vas embarquer la communauté Malinké dans ce domaine. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens au fait. Et ils te regardent même, ils rigolent. Même eux, ils sont dépassés. Ça ne les regarde à rien. Ce n'est pas une histoire de communauté. La communauté Peul, on s'en fout de ça. En fait, comment toute la communauté Peul, hein, va aller essayer de mettre Nyeloy en prison? C'est des cas pour injure publique et puis pour menace. Maintenant, après, je ne comprends pas, au fait. Je ne comprends pas. Maintenant, qu'est-ce que la communauté Malinké a à voir dans tout ça? La communauté Malinké a à voir dans tout ça? Parce que quand toi tu dis que non, c'est parce que toi, tu n'as pas soutenu un peuple. Maintenant, tu es parti, tu as soutenu un Malinké. C'est-à-dire cette histoire de division ethnique déjà. Tu sais d'abord ça, c'est une philosophie d'Alpha Condé. C'était une philosophie d'Alpha Condé pour dire, voilà, comme telle personne est peuple, il est de la communauté peuple, c'est la communauté peuple qui le soutient. Comme telle personne est Malinké, il est de la communauté Malinké, c'est le Malinké qui le soutient. Cet esprit de division est déjà passé avec Alpha Condé. Réveille-toi. Réveillez-vous. Alpha Condé est passé. C'est Alpha Condé qui est arrivé en Guinée avec cet esprit, cette stratégie de diviser pour mieux régner. Cette ethno-stratégie, c'est Alpha Condé qui est arrivé avec ça en Guinée. Et Alpha Condé est passé. Donc il est passé avec son esprit de division. C'est du passé. Tu ne peux pas... Attends. Donc tu penses que... Écoutez. Elle est où cette vidéo? Attendez, écoutez. La page. On va connaître. Eux aussi vont faire leur jeu. Attendez. J'ai mis sur la page. Bon. Les patriotes. RPG, mon. Kono Fati Kanakuma. RPG, mon. Les patriotes. Je dis, aidez-moi à saisir la justice internationale. On va connaître. Eux aussi.
s'ils vont faire leur jugement. Quelle justice internationale? On va juger, il faut que... Je dis là, on l'a dit dans l'aïe. Le cas de Nielo, il dit qu'il y a un cas. Ou bien il dit Nielo est blanc. La justice internationale va venir parler du cas de Nielo. Et? La justice internationale parlera du cas de Nielo. Calme-toi, ma soeur. Calme-toi. Fangou. Qui est blessé? Et Allah. Jom Barasson. Laisse-moi t'expliquer, ma soeur, ce qui s'est passé. Parce que toi-même, ça t'a échappé, au fait. Ça t'a échappé. Parce que tu ne sais pas. Bon, tu te demandes, tu as posé la question. Bon, moi, je vais te répondre. Je vais t'éclairer. Je ne suis pas contre toi. Je ne suis même pas contre vous. Wallahi billahi tallahi. Mais vous êtes rentré dans un système sans le savoir. Vous étiez avec des bandits. Qui ne pensent qu'à leur gueule, qui ne pensent qu'à leur pouvoir, qui vous utilisaient, c'est-à-dire comme de la merde, et puis vous aussi, bêtement comme ça, vous êtes tombé dedans. Maintenant, vous voilà. Quand tu dis les patriotes du RPG, tu veux parler de qui au fait? Tu parles de quel RPG? Tu parles de quel RPG? Bon, tu n'es pas au courant? Attends, je vais te montrer une image. Lui, c'est qui? Lui là, c'est qui? C'est un communicant du RPG qui passait tout son temps à insulter ici. Il s'est rallié. Il y a beaucoup de cadres du RPG aujourd'hui qui ont baissé les armes, qui ont jeté les armes, qui se sont ralliés il y a longtemps. Donc toi, tu parles de qui au fait? Tu parles de quel RPG? Tu parles de quel héros? Quel héros? Ma soeur, tu es seul. C'est dommage. Tu es seul, tu peux embarquer personne. Et puis ceux-là, les gens qui étaient là, ils vous utilisaient au fait. Où ils sont? Bon, aujourd'hui, vous aviez des problèmes. Ils sont où? Où ils sont? Vos amis d'hier, ils sont où? Il faut être intelligent souvent. Bon, pas de nom, mais tout le monde est en train de nous soutenir, de nous protéger. On est en train de nous protéger. On est en train de nous protéger. On est en train de nous protéger. On est en Ils vous ont utilisé, c'est simple. Vous êtes tombé dedans. Aujourd'hui, vous êtes seul contre tous. Vous êtes dans la merde. Personne ne va vous aider. Tu parles de communauté internationale, de justice internationale. Tu penses que c'est de la pagaille? Ma soeur, descends sur terre. Tu penses que c'est la pagaille? Justice internationale, par rapport à quoi? Quelle justice? Comment d'abord? Pour rien, là, hein? Justice internationale, bon, comment ça c'est faisable? Comment? Et puis, qui va t'aider au fait? Qui va t'aider? Hein? Et toi-même, tu le reconnais? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Regardez. Nassoura. Écoutez. Je dis, aidez-moi à saisir la justice internationale. Qui va t'aider, ma soeur? Qui va connaître? Qui n'a qu'à t'aider? Ils vont faire leur jugement. Qui? Ils vont faire leur jugement, voir. On va juger, il faut que... Je dis là, on l'a dit dans l'aïe. Le cas de Nielo, il dit qu'il y a ou bien il dit Nielo est blanc. La justice internationale va venir parler du cas de Nielo. Ah ouais, il dit qu'il y a un cas, ma soeur. Il dit qu'il y a un cas. Comment est-ce que quelqu'un qui est blessé? Aïe, son âne, qui est un jour sagodi. Ah, alors qu'elle est un jour sagodi, propre. Ah, quelle justice! Qu'est-ce qu'il a fait? Que 2 ans, parce que pour vous 2 ans, transition c'est fini. Ils m'ont appelé, ils m'ont convoqué, qu'au nom de réconcilier avec Selou. Je dis non, ils disent réconcilier avec Selou. Ils ont fait une délégation, ils sont venus, je dis jamais. Ah bon? Ils vont voir ma mère. Et? Selou a beaucoup de problèmes, de. Non, monsieur Selou, dans les Yako. Ma soeur, écoute. Vous voyez,
Le fait d'être dans leur... Ce n'est pas vous seuls qui étiez dans le RPG. Hein. Je te le dis en même temps. Vous étiez nombreux. Mais il y a des gens, ils ont été intelligents, en fait. Ils ont été intelligents. Ils se sont moins mis mal. Ils se sont moins mis mal. Vous, vous étiez opposé à Selou Dalein. Ça, ce n'est pas un problème. Selou Dalein, c'est un leader politique. Vous pouvez être opposé à Selou Dalein. Vous pouvez être opposé à... C'est-à-dire à l'UFDG. Il n'y a pas de problème. Hey, vous, c'est votre droit. Mais le fait de vous mettre à mal, hein, avec des gens dans le vide, s'attaquer à des gens, être arrogant. On se rappelle de toi, ma soeur, on n'a pas oublié. Hein, où tu t'affichais avec des militaires, tu disais non, c'est toi, tu t'appelles ta poitrine. Hey, ce n'est pas bien. Alpha Condé, vous en jetez dans la gueule de l'eau. Mais il kini oyé so beni onchu. Jono nge hino yo e hino yo. Hande hande. Kombo bal la taon. Quand tu parles de justice internationale même, les gens vont te prendre pour une folle. Billahi. Les gens vont te prendre pour une folle. Parce que justice internationale. À la haie. Tu sais qui parle à la haie. Donc ils ont envoyé Nielo à la haie. À la cour pénale. Adi, c'est grave. Vous voyez, vous ont utilisé, vous ont laissé seul. C'est grave. Écoutez-la, écoutez-la. Ah bon? Si tu as les preuves, envoie-moi les preuves. Wallahi billahi, je vais les balancer sur ma page ici. Direct. Si tu as les preuves que c'est l'UFDG, c'est celui d'Alain Diallo qui a mis Nielo en prison, envoie-moi toutes les preuves. Je vais les balancer ici. Ah. Ah, tu vois, tu t'en vas dans un autre débat, tu vois. C'est dommage, ça fait pitié. Et puis, tu vois, ce que tu fais, c'est très, très dangereux. Qui insulte Selou Dalein? Selou Dalein a des enfants, hein. Peut-être que lui, je peux comprendre que Selou Dalein ne puisse pas descendre dans la boue. Bon, peut-être pour t'envoyer toi en justice, c'est-à-dire Selou Dalein, quand même. Il va jamais le faire. Ça, on le sait. Lui, il s'en fout. Ça ne l'atteint pas. Mais, t'imagines, il a des enfants. Donc les enfants de Selou Dalein peuvent prendre tes vidéos là où tu insultes Selou Dalein, même dans... La ilaha illallah. Ces enfants, les enfants de Selou Dalein peuvent prendre ça pour te traîner en justice toi aussi. Et puis tu vas prendre lourd. Parce qu'il n'y a personne pour te protéger au fait. Et puis toi-même tu as dit... Tu as dit qu'il y a un membre du CNRD que toi-même tu attaques qui dit non... Il était en mal avec Nielo, c'est pour ça, c'est un règlement de compte. Attends, je comprends pas au fait. Tantôt tu dis, c'est un membre du CNRD qui est en mal, qui était en mal avec Nielo et qui veut se venger. Tantôt tu dis, c'est Selou Dalein Diallo. Tantôt tu dis, c'est la communauté Peul. Tantôt tu dis, c'est DK. Tantôt tu dis, c'est une dame qui est aux États-Unis. Bon, à la fin là-haut, c'est tout le monde qui a mis Nielo en prison. Je comprends pas au fait. Je comprends pas. Écoutez, écoutez. Il a où le rapport? Et
Ah, ma soeur, vous t'es calmée. Donc, que le mariage tient. Qui a gâté ton mariage? Sérieusement parlant, parce que moi, j'ai suivi. Tu t'es mis seul dans des problèmes. Regarde. Bon, regarde. Vous voyez où ça peut mener. Vous voyez où les mauvaises personnes peuvent mener quelqu'un. Il y avait des bandits qui t'utilisaient. Ils t'ont utilisé dans un mauvais sens. Ils t'ont mis mal avec tout le monde. Tu as tout perdu. Tout. Tu as tout perdu, au fait. Dans le vide. Parce que tu n'avais pas pensé une seule seconde qu'aujourd'hui pouvait arriver. Tu t'es mis en mal avec ta propre famille. Et ça, c'est toi-même qui l'as dit. Tu t'es mis mal avec ta famille. Ça, c'est un. Tu t'es mis mal avec ton mari. Ça, c'est deux. À cause de tout ça, là. Pour Alpha Condé. Alpha Condé, quelqu'un qui t'utilisait dans le vide. Qui est un simple bandit. Un simple bandit. Hein? Qui t'utilisait dans le vide. Tu vois ça? Maintenant, aujourd'hui, bon, qu'est-ce que tu as gagné dedans? Tout ce que vous avez fait là, bon, vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? À part des pleurs. Là. Ça fait un mois, tu fais que pleurer. Oula, tout là, oula. Parce que un jour, donc IFDG, moi, il y a mon million qui est là plus que les gens de l'IFDG. Womorien. Et puis ils sont entretenus par celle de l'IFDG. Ils sont bien entretenus. Ah bon? Et puis il y a le IFDG, Watimina, à traîner les qui est là, quand le moment là, qu'à son là. Et maintenant, ils sont en équipe, ils sont en Godi. Ils sont en Naoma. Les deux ans de guerre ont compté. Ils sont en Naoma, ont compté. Justice internationale. Je vais saisir la justice internationale. Comment? Ma soeur, tu as perdu la tête. Je suis désolé, tu dois aller à l'hôpital. Andi Oroninini, je vais vous dire une chose, sérieusement parlant. Elle n'est pas bien. Si elle a des proches qui m'écoutent ici, prenez Fatounié lui, amenez-lui à l'hôpital, pardonnez. J'étais mon abomolaptane parce que tu vas saisir la justice internationale comment? Bon, quelle justice internationale? Quelle justice internationale au fait? Elle parle de quelle justice? Hein? Quelle justice au fait? Tu comprends pas? Alaé? Désolé, j'ai reçu un appel. Quelle justice internationale que tu vas saisir? Tu as perdu la tête. Tout ça là, tu pouvais éviter ça. Qu'est-ce que vous aviez gagné dans tout ça? Alpha Condé est passé. En fait, c'est Alpha Condé qui était votre couverture. Et lui, il vous utilisait dans le mauvais sens. Vous vous êtes fait tellement d'ennemis. Vous êtes fait des milliers et des millions d'ennemis. S'il faut au lit ma compagnie, moi, y'a maman. Tu vas aller bail. Dans le vide. Alors, on est tranquille. Si les gens là vous aimaient, si Alpha Condé vous aimait, il n'allait pas vous pousser dans la gueule du lot. Il allait vous prendre, il allait vous mettre sur des points stratégiques, il allait vous donner beaucoup d'argent, vous allez sortir avec beaucoup d'argent, vous allez devenir des milliardaires. Mais malheureusement, il vous a utilisé dans le mauvais sens. Attaquer telle personne, il a même décoré Nyenoui. C'est-à-dire pour le. Ils ont même décoré Nyenoui pour l'encourager. Andy Montagouré, mais décoré Momor. Bon, Wakino, tu as bien. C'est bien ce que tu fais. Insulter les gens dans le vide. Ça sert à quoi? Maintenant, voilà ça. Aujourd'hui, tu accuses tout le monde. En fait, tout le monde est coupable de ce qui vous arrive. Tout le monde. Pourtant, les véritables coupables, c'est vous-même. C'est vous-même. Dans le sens où vous n'aviez pas écouté. Dans le sens où vous n'aviez pas été intelligent. Vous êtes tombé dans un piège. Ils vous ont utilisé. Tu parles de la communauté malinquée. La communauté malinquée a quoi à voir dans ça? Hein? Même si tu parles en malinquée, c'est-à-dire... Malinquée,
Même si en fait tu parles à Malinké renversé, quand les Malinké te voient pleurer, ils ont envie de rigoler. Ils rigolent même. Actuellement, tout le monde te voit, tout le monde rigole. Mais moi, je rigole pas. Moi, ça me fait pitié. Non, Yurmi, au fait, ça fait pitié. Hein? Regardez. Tu as perdu la tête. Tu vois ça? C'est ethnique comment? C'est ethnique comment? Tu veux dire que c'est ethnique, c'est la communauté Peul, c'est-à-dire qui a mis Nielo en prison. Comment? La communauté Peul? Comment ça? Comment même? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que toute la communauté Peul mette 10 cas a mis Nielo en prison? On peut comprendre. DK Porto Yipland, DK Soki Nielo. Là, on peut comprendre. Mais la communauté peut la quoi? C'est comment ça c'est? Comment? Une politique. Elle ne peut pas mettre elle et la mienne en prison. Mais c'est comment ça elle peut pas? Qui a porté plainte? La délégation compte. Koawa et Dignelo est condamné. Koya condamné. Et papa y a pas la mine. La casola quand condamné. Ah tu vois? La casola. À la façon, la manière. Et puis John Kanyele est la casola. Et puis mon signe Koufatika le Kouba. Comme on a dit, on a dit que les c'est-à-dire que les malinqués ont fait et ils sont devenus, c'est-à-dire comme mais on est sans que je sais pas, ils sont devenus, je sais pas, des serpillères des gens, un truc comme ça quoi. Comment ça, quel malinqué au fait? Tu parles de quel malinqué? Quel malinqué? Hein? Tu parles de quel malinqué au fait? Maninkal Juma Barason, Alubaraké. C'est dommage. C'est dommage. Tu vois? Hein? Tout ce qui te reste, c'est les larmes. C'est les larmes. Kogondi. Wallahi billahi. Tu vas les bailler. Parce que là, vous êtes mis dans la merde. Moi, c'est ce qui me fait mal. C'est ce qui me fait mal. Non, si vous étiez resté dans le RPG tranquille, vous restez dans le RPG tranquille. Ou bien, dès que Alpha Condé a dégagé, vous faites comme l'autre. Comme le petit là, comment il s'appelle? Comme l'autre petit. Votre, le petit, comment le petit s'appelle? Corboya, vous faites comme Corboya Baldi. Hein? Vous sortez, vous dites, ah, on s'excuse. Mais vous vous mobilisez. Au fait, non seulement vous vous êtes mis dans la merde, non? Et puis, au lieu de faire comment sortir de la merde, vous vous enfoncez. Au fait, toi, tous les jours, tu ne fais qu'aggraver la situation. Et puis, comment toi, tu peux t'asseoir, tu insultes celui d'Alain de la sorte. Gente. Intérêt. Tu sais pas que les enfants de. Celui-là ne va jamais porter plainte contre toi. Mais il y a les enfants de celui-là quand même. Parce que je. Waouh! Les gens me disent non, ne pleure pas de moi là. Pas! Je savais! La femme est obéie, condamnée à deux ans de l'injustice! Je ne sais même pas conduire quoi. On est allé désolé! Je partais là-bas. Écoutez. Moi, je partais là-bas comme ça. Je venais là-bas, je venais au cours, à la cour. Deux ans de prison. C'est le bébou. C'est le bébou. C'est le galère à boulot. Oui, tu le vois. Quand il va aller, t'es solide. Ah. Désolé, je m'excuse. Peut-être auprès de toutes les personnes qui respectent ces loups de passer ce test-trait. Mais c'est pour dire que elle a perdu la tête. Vous entendez comment elle l'insulte. Et elle-même elle reconnaît que l'injure publique, ça peut condamner quelqu'un jusqu'à 14 mois de prison. Celui-là ne va jamais porter plainte. Mais les enfants de celui-là,
Les enfants de celui d'Aleng aussi peuvent porter plainte, comme Deka a porté plainte par rapport à son papa, qui est le doyen Biro. Et toi aussi, tu auras ce que tu veux. Tu auras ce que tu veux. Parce que regarde, quel qu'en soit PDX, comment tu peux... C'est-à-dire qu'on... Au fait, tu comptes sur quoi pour insulter comme ça? C'est-à-dire, hein? Tu comptes sur quoi? Qu'on nous montre l'ordre, au fait. Vous voyez? C'est grave. Tout ça là, c'est pour aggraver ta situation. Tout ça là, en tout cas, ça ne va pas, ça ne va rien arranger. Ça ne fera qu'aggraver ton cas. Et ça ne fera que blesser ton cœur. Ça ne fera que blesser toi-même ton cœur. En fait, tu te fais du mal toi-même. Sans le savoir. Tu persistes dans la bêtise. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Hein? Vous voyez? C'est grave ça. C'est grave. C'est grave. Pourtant, tout ça a été évitable. Hein? Tu peux éviter tout ça. Tout ça a été évitable. Mais c'est grave. Maintenant, bon, ça c'était la première partie. Ça c'était par rapport au Nyeloui. Les proches de Fatou Nyeloui, prenez Fatou Nyeloui, amenez-lui, bon, je suis un psychologue. Un psychologue va la voir parce qu'elle a pété le plomb. Elle parle de Malinké. Les Malinké n'ont rien à voir dedans. Les Malinké, même, ils te regardent, même, ils rigolent. Tellement qu'ils s'en foutent de ce qui se passe. Tu parles du RPG. Le RPG n'existe plus. Tu parles de guerrier. J'ai même vu un imbécile. Tu vois, il y a un gars qui est flanqué ici à Paris. Un gars, un cervelé, un Sénégalais. Bon, un soi-disant Sénégalais. Parce que ce n'est même pas un Sénégalais. C'est un Guinéen qui est né au Sénégal. Parce que ses parents sont des Guinéens. Un gars de Casamance, un imbécile, un maudit, qui s'appelle l'ancien messager de ses couilles, qui s'en va mettre sa gueule dans cette situation à raconter des bêtises lui aussi. Mais lui, je ne vais même pas le passer ici. Parce que lui, on ne le calcule pas. Maintenant, les autres, je viens d'un autre gars. Nyeloui, si Nyeloui a pris 2 ans de prison, il y a des gens qui méritent de prendre 5 ans de prison minimum. 5 ans de prison. On a écouté hier, vous aviez écouté ma vidéo où l'autre gars la parle. Le gars qu'on appelle LCC. L'autre maudit qu'on appelle LCC. Ce gars, attendez. Attendez, vous allez voir. Il est où cette merde? Ou bien j'ai supprimé cette merde de mon téléphone. Je ne sais même pas. Attendez. Ce gars, je vous le montre. Je vous montre ce gars. Si Nyeloui a pris 2 ans de prison, c'est que lui doit prendre 10 ans. Hein? Ou plus. Cheikh Kamoufan aussi. Il n'est pas oublié. Voici des gens qui méritent d'être au trou. Ah ouais. C'est des gens qui méritent d'être au trou. Wallahi billahi tallahi. Ce gars. Alors aujourd'hui, on doit fermer les magasins Peul en Guinée. Le gars là fait quoi au Kéo? Les camions Peul en Guinée. L'État doit refuser aujourd'hui. Et le gars, l'État doit refuser aujourd'hui. Un maudit comme ça. Au fait, et puis c'est ce gars que je vois partir là-bas avec des banderoles qu'on libère Nyeloui. Tu t'en vas avec banderoles pour dire libérer Nyeloui. Pourtant, toi, tu mérites la prison plus que Nyeloui. Lui, le gars là. De donner des papiers administratifs au Peul. Quand on commence à dire que oui, on est en train de refuser de donner des documents à la communauté Peul. On est en train de refuser de donner des passeports à la... D'abord, le gars là... Alors, l'État va avoir raison sur la communauté Peul. Je crois que l'État aussi doit prendre aujourd'hui des dispositions. Ce gars doit prendre minimum 5 ans de prison. À toute la communauté Peul, Moussi Behibé, on a dit qu'on doit... Ngi Bali, on a eu le décor. Les preuves existent, les preuves sont là. Il suffit simplement d'aller à la justice, porter plainte, présenter ça. La seule vidéo là suffit. Lui là, au fait, la seule vidéo là suffit pour qu'il prenne 5 ans de prison, le gars là. Avec la seule vidéo là, ça va. Si Nyeloui a pris 2 ans, hein, le gars là doit prendre 5 ans. Minimum. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est pire que ce que Nyeloui a dit. Nyeloui a insulté quelqu'un et lui, il incite à la haine contre toute une communauté. Il raconte des balivernes. Écoutez-le. Contre la communauté Peul, et ça va pousser la communauté Peul à réagir.
ils vont prendre des dispositifs, ils vont prendre des décisions contre la Guinée. Attends, là où nous sommes aujourd'hui, fermer tous les magasins peu. Ah. Vous savez, quand vous allez dire certaines vérités, les gens vont dire que non. Quand vous allez dire certaines vérités, ou bien vous êtes aimé. On se rappelle, c'est cet imbécile qui était parti dans un village à parler de Mandeng Diallo. On se rappelle, c'est lui. C'est lui, au fait. C'est ce gars qui est parti à la radio tout récemment pour menacer le CNRD. Qu'ils exigent la libération du colis, sinon, ils vont pagailler dans le pays. C'est lui. Donc, lui aussi, lui, il doit prendre minimum 5 ans. Hey, c'est simple. Voici la vidéo. En fait, il y a des gens qui m'ont contacté. Il y a des gens qui m'ont contacté. Je les ai envoyé cette vidéo. Je les ai envoyé cette vidéo. Au fait, ils ont dit qu'ils vont aller porter plainte. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, ils n'ont qu'à faire. Voici un gars qui doit aller au trou. Parce que pour eux, Alpha Condé n'allait jamais passer. Ils n'ont rien compris. Aujourd'hui, Alpha Condé est un colis. Il est dans un entrepôt. Même lui, c'est un prisonnier. Donc, ce n'est pas vous. Aujourd'hui, on crie libérer Alpha Condé. Libérer. Vous voyez le karma? Vous voyez la vie? Hein? Donc ce gars-là, il doit aller en prison si Nielo est allé en prison. Il y a un autre. Il y a d'autres. Écoutez-les. Il y a un certain Oumar Oulada. Il doit aller en prison si Nielo a pris 2 ans de prison pour injure publique et puis pour menace. C'est que Oumar Oulada doit prendre 10 ans de prison. C'est sûr. Maintenant, le badon qu'on appelle Cheikh Amoufane de l'abbé Sagny, lui aussi, minimum, il doit prendre 7 ans ou 8 ans de prison. Tous ceux qui ont tenu des propos haineux dans ce pays, ils doivent payer. Tous ceux qui ont incité à la haine dans ce pays, ils doivent payer. Seigneur lui a pris 2 ans de prison et ils doivent prendre minimum 5 ans de prison. Cheikh Amoufane, le badon qu'on appelle Cheikh Amoufane, ce badon qu'on appelle, je ne sais pas comment, il doit, le gars qu'on appelle Oumar Oulada, on doit les foutre en prison. Ils doivent tous aller en prison. Ils méritent la prison plus que Nielui. 10 000 fois, 100 000 fois. C'est un peu ça. La justice n'a qu'à faire son travail.